Écris pas. Hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le 59e épisode de The Sandbox Alpha Season Pass numéro 3. Je vous balance l'intro et on voit ce qu'il y a de nouveau. Ya. Mikey Minaj, double zéro. Alors, avant de commencer la vidéo, je fais mes 4 requêtes habituelles. Pensez à vous abonner sur ma chaîne Twitch comme sur ma chaîne YouTube. Hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et vous faire plaisir dans l'espace commentaire, que ce soit pour ajouter des commentaires ou pour consulter les anciens. Alors aujourd'hui, on a des nouveaux Game Jam. Il n'y a pas eu de nouveaux niveaux, je crois. Ah si, on a Fungus Kingdom. Donc on va commencer par celui-ci. S'il veut bien d'ailleurs. Alors. Bon, ça a bugué un peu. Va falloir attendre. Je pense que ça a planté. Ouais. Bon. Je vais envoyer la page leaderboarding déjà. Comme vous pouvez voir, hein, je régresse un peu. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des timers, il n'y a pas eu de nouveau. Donc, je pense par rapport à ce que je disais, le fait que ça soit tous les gens qui ont en fait eu l'avancement sans les temps rédhibitoires, qui sont dans le classement. Donc, je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Donc, on va lancer Fungus Kingdom si ça veut bien le lancer. Et je regarde si j'ai pas de nouveau niveau où les quêtes ont été rédhibitoires. Voilà. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, on va lancer ce qu'on a à faire. On est sur Fungus Kingdom. S'il veut bien le lancer. Apparemment, non. J'ai un petit problème technique. Est-ce que il veut m'envoyer aucun niveau? Je vais refresh la page une dernière fois et ça devrait le faire. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête d'aller sur le hub et de chercher l'entrée du Fungus Kingdom directement via le hub. Il y a souvent des bugs, donc vous m'excuserez. Hein. Mais c'est normal, hein, c'est pour ça que le jeu est encore dans sa phase alpha. Alors, là ça devrait être bon. Voilà, on va le lancer. C'est un social hub. J'ai pas vu combien il y avait de niveaux dessus. On va revenir. Faire un tour du côté du leaderboarding et on va aller dans les F qui devrait être bon. J'ai déjà dépassé les F donc c'est pas là, ça doit être 2 THE. Voilà, il y a à peu près 7 quêtes, ça devrait aller vite. Donc on a quand même un collect Fungus Cone, ce qui va me prendre le plus de temps, je pense. Et oh, le reste, ça devrait aller. On aura juste le petit rétro game jam et on va essayer dans cet épisode pour voir si le niveau d'hier, celui qui voulait pas se lancer, va fonctionner aujourd'hui. Même si je pense qu'il y a toujours quelques instabilités présentes, hein, qui font que les niveaux sont pas trop accessibles. D'ailleurs, il est passé en violet. Et j'ai oublié de vous dire hier, enfin je n'étais pas au courant avant aujourd'hui, que les 10 000 premiers joueurs à avoir complété en fait Paris Hilton Crypto Win gagneront 50 cents en récompense supplémentaire. Hein. J'en parlais hier sur le fait que je pense que les niveaux ont beau être des niveaux sans exploit, mais pour ceux qui les valideront, eh ben, auront des récompenses supplémentaires, bien évidemment. J'arrive pas à repasser.
que ça a bugué. Je vais devoir relancer. Ah non, c'est bon, j'ai entendu un son comme quoi ça s'est lancé. Mais voilà. Donc je sais pas ce qu'il en est pour Hell's Gate, j'ai pas reçu de mail hein, pour me confirmer ceci. Mais de toute façon, Hell's Gate, comme vous avez pu le constater, hein, il n'était pas accessible. Je sais pas si aujourd'hui ce bug d'accès a été corrigé. En tout cas, s'il y avait une initiative de récompense sur ce niveau-là, en termes de cash prize, eh ben, il va être soit annulé, soit repoussé. Hein, puisque bien évidemment il y a eu des problèmes d'accès à ce niveau-là et je suis pas sûr d'avoir été le seul hein, concerné. Je pense que du coup je ferai un épisode demain pour retoucher tous les niveaux hein, qui ont été touchés par la rédhibition des temps. Et du coup, je ferai un deuxième épisode dans la journée aussi pour m'occuper enfin, du niveau de la journée, du niveau quotidien. Bon, on va se concentrer sur les coins. On va essayer de voir, il y en a 25 à récupérer. Généralement, c'est ce qui me prend le plus de temps niveau chrono. Hop. C'est grimper pour voir si on n'en voit pas. Le niveau a l'air d'être quand même assez grand, malgré le fait qu'il fasse une parcelle. Alors, je pense que là, on est au max, peut-être. Voilà, j'ai pas l'air de pouvoir grimper plus haut. On va essayer de voir si on peut pas aller à... Zut. C'est râpé. On va recommencer une dernière fois. Hop. Oh. Quelque chose à l'intérieur. On est qu'à 3 sur 25 et ça n'a pas l'air d'être d'une évidence monstrueuse. Je pense que je pourrais revenir ici assez aisément. Donc on va s'enfoncer dans le... Waouh. On va lui parler. Au moins, si on cherche un... Il n'y a pas son nom qui s'affiche. Non. Non. La langue d'écriture est une langue étrangère. Étrangère à ce monde, hein. Pas juste étrangère d'un autre pays. Bon, quoique c'est un jeu qui a été conçu par des êtres humains, j'imagine. Ou minimum des humanoïdes. Donc, ça doit pas être si étranger que ça. Il doit y avoir une signification. Ok, ah, j'en vois un autre là-bas. À travers sans dommage. Ok, je sais absolument pas où je suis mais je vois un coin là-bas. Ah mais c'est par là que je suis arrivé si je me trompe pas. Bon, on va revenir en arrière, on n'a pas énormément de temps devant nous. Non, on peut retourner dans la montagne. Donc on a bien exploré. Donc on va aller par là. Évidemment. On regarde attentivement si on ne trouve pas des coins visuellement comme ça. Voilà. Alors, hop. Il n'a pas voulu sauter. Des fois, il me fait des vols planés. La physique du jeu n'est pas. Je dirais pas convenable, mais elle est pas. Tout le temps la même.
Et pas régulière au point où je peux dire que voilà, c'est 100% sûr que ça me fasse toujours la même réactivité. Même s'il y a une constance quelque part à force, hein, mais j'irais pas jusqu'à dire que la physique est correcte. Alors, je vais faire un tour dans la grotte pour voir avant si je trouve pas quelque chose. Bien évidemment, il y a un coin, ce qui fait plaisir. Et après, voilà, bah, je vais sauter pour récupérer ça. Voilà. Alors, ensuite, je vois des lianes. On va essayer de grimper par la liane, si j'arrive. Voilà, j'en vois d'autres. J'imagine qu'il doit y avoir un autre truc au-dessus. On va aller récupérer ça rapidement. En plus, ça nous donne un point de vue assez intéressant sur la map. Bon, il n'y avait absolument rien à récupérer ici. Donc, je pense quand même que doit y avoir. Ah, pas mal. Donc d'ici on peut voir quand même que. Oh, je pouvais pas sauter assez loin. Qu'il y a des choses à récupérer en hauteur aussi, également. Pas que en hauteur par là. Ce que je vais faire, je pense que ça va me coûter moins de temps de grimper par là. Je vais continuer à zioter un tout petit peu. Ah, c'est vachement haut le reste. Et on va aller récupérer celui qui est là-bas. Hop, voilà. J'en vois un autre là-bas en bas. Et faut que je pense à regarder. Ah, si je vois d'autres. Si je repère un accès en fait pour monter. On va y passer plus tard. Mais bon, je me suis raté un peu. On va récupérer d'abord celui-ci vu qu'on est là. Et on va monter. Alors ça fait déjà, je pense, un bon moment que j'essaie de les récupérer. Alors hop, il me reste plus beaucoup. J'arrive presque à la moitié. À un et demi près. Pense que je ne peux pas monter par là. Il va falloir que je trouve. Ah! Un autre accès. Mais en fait, non. Il s'est passé un truc magique. Je crois que c'est un bug qui m'a fait sauter de cette façon. Alors, ok. On va éviter de lancer une autre mission. C'est d'économiser notre temps comme on peut. Alors, il y a des lianes un peu partout. Je suppose qu'il y en a une qu'on peut atteindre pour monter assez haut. Ou sinon, il faudra utiliser des chemins annexes. Bien ralentir, sinon on la récupère pas. Escalier interne, je sais pas où est-ce qu'il mène. Je suis pas sûr que ce soit ce que je recherche comme chemin. Je crois qu'il y en a un. Je pense que là, j'arrive au moment où. En effet, ah j'ai pas réussi à sauter. Il a pas sauté, il a juste glissé ce bâtard. Bon, je
pense que hop, ça fait déjà ça. Donc, je pense qu'on doit recommencer. Il a juste glissé comme quand on glisse dans les escaliers. Bon, pour le moment, je suis pas sûr d'avoir été dans les 10 000 premiers à avoir joué dans le niveau de Paris Hilton, hein. D'ailleurs, je me moquais du fait que Paris Hilton ait tué un niveau, hein, alors que, ils offrent des récompenses pour l'accomplissement de ce niveau. Donc, c'est possible que je ne gagne pas, hein, par mauvaise foi. Allez, allez, oh voilà, c'est ça qu'on voulait. Ah, ça c'est ultra chiant le fait qu'il glisse en montant les marches. Ah, et le fait qu'on doive repasser plusieurs fois pour récupérer les coins aussi, ça c'est ultra chiant. Mais bon, ça doit être une histoire de connexion. Ah, je vois une clé. C'est intriguant. Je sais pas s'il faut passer par en au-dessus, en dessous. Pour la récupérer. Ah. Je pense qu'il y a un rapport avec cette liane. Je crois qu'on doit se la jouer comme Tarzan. Ou peut-être juste qu'elle est enfermée et qu'on peut pas la récupérer. Ah non. Je crois qu'on doit se la jouer comme Tarzan. J'en ai vu une là. Je l'aurais pas trouvé si j'étais pas tombé. Bon, je suis en train de tomber plus bas à chaque fois que j'essaie de monter. Ah ouais, par contre là, c'est ultra chiant parce qu'il veut pas monter dessus. Et quand on est sur une liane, on peut pas tourner. En plus, je lag. Ok. Voilà. Bon, c'était pas l'inclinaison. Ah, ce qui est chiant, c'est le fait que quand on est sur une liane, eh ben, on peut pas, en plus, pas tourner l'inclinaison de notre personnage. Donc, faut avoir pris le bon angle avant de monter à la liane. Alors, aussi les prises, hein, pour, je sais pas si vous avez remarqué, les prises qu'il y a en général quand vous grimpez dans le jeu, eh ben, elles ont du mal à prendre, hein. Les saisies sont pas oufissimes. On va pas se leurrer. Des fois, il a du mal à attraper, hein. J'espère que quand la bêta du jeu sortira, que ça sera 1 000 fois plus agréable à jouer. Sachant que normalement, quand la bêta de ce jeu devrait sortir, le jeu devrait être assez stable pour être joué sur tablette ou téléphone, un peu comme Roblox, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, oui, c'est Roblox, hein, qui est joué sur tablette. Oh. De revenir parce que je crois que c'est juste au-dessus. Ah, par contre, aussi au niveau de la caméra, j'espère qu'il y aura aussi des grandes améliorations. Ouais, ça c'est chiant. Oh, je tombe de plus en plus bas. C'est no, no, no. De remonter pour récupérer l'autre si je promets rien.
moi où il y avait une entrée. Oui. Je sais pas où est-ce qu'elle donne. C'est ce que je pensais. Je trouvais les couleurs bizarres. On va essayer de remonter. Je crois que c'est en haut de cette colline. Il me reste pas grand-chose à récupérer. Après 7, je crois. On est d'accord. Là, il y en a un en face. Voilà. On va quand même vérifier. Parce que c'est pas commun de mettre un truc dans les maisons comme ça et qu'il n'y a rien à récupérer au-dessus. Alors, j'envoie un dans la maison en face. Et en effet, je vois une liane ici qui a l'air de donner sur... Oh merde, j'ai failli tomber. Ah ouais, bah je suis tombé. Ouais, donc ça donne bel et bien nulle part. Ok, là ça va être un peu dur. Désolé, c'est au niveau de la caméra. Encore ça. Ah, presque. Ça ne part. On va sortir. Il nous en reste 5 à peu près et on aura passé un bon moment dessus. Oh, il y a un Deadmau 5. Je pense qu'en hauteur c'était à peu près tout. Non, il en restait un. Il en restait un que j'ai pas pu récupérer. Quand j'étais en train de grimper sur l'une de ces collines comme ça. Ça, sinon. Il y en a une autre que j'ai escaladée tout à l'heure. Il y avait un coin dessus. Ah, sur le toit de la maison, là. Je pense qu'il faut quand même que je grimpe.
je sais pas combien de fois je suis venu sur cette colline pour grimper dessus. Wow, un petit lag que ça m'a fait. En tout cas, on va pas passer par la cheminée. C'est de repérer un autre de loin comme ça. Il me reste pas beaucoup à récupérer. 4. Je ne sais pas. Peut-être un. Voilà, c'est ça que je pensais. Un endroit à niveau comme ça, dans lequel j'aurais pas récupéré. Voilà, quelques coins. Et là, il me semble que c'est le tout début. C'est par là que j'arrive. Et je suis parti par la gauche. Donc on va essayer, en faisant le tour, par la droite. J'ai un peu coupé du coup. On est tombé là tout à l'heure. Au moins on a vérifié un peu. D'arriver ici. Donc, il doit y avoir quelque chose quand même. Une petite course d'obstacles, peut-être. Un parcours. Allez, les trois derniers. Je pense que ça va être les plus difficiles à trouver. Surtout si il y a pile le compte. Ce qui est probablement le cas. Ah, par contre là, pour monter sur celui-ci, pour prendre cette liane là. Je sais pas si je pourrais remonter. Que je l'avais déjà prise tout à l'heure, non? Oui, en effet. Alors, où est-ce qu'il pourrait être? C'est ce zoom de caméra. Alors là, non. Mais les niveaux quand même sont très très beaux. Ça, on peut pas contester la qualité graphique, hein, des créateurs de contenu. Hein. Ils ont fait des beaux travaux, surtout au niveau de la colorisation, du choix chromatique, pardon. Je n'en vois pas d'autres. Mais j'ai une petite idée quand même de où est-ce que je pourrais chercher. Il faut que je retrouve vers cette colline. Que je la regravisse. Et que cette fois-ci, au lieu de passer par-dessus, que j'aille très clairement dans le tunnel. Ah, ça c'est chiant, le fait que le personnage glisse au lieu de monter les escaliers. Maintenant, on va se
c'est tombé au milieu, dans le fond de la grotte. Et on va regarder si on trouve pas quelque chose. On est déjà passé là. Non, du tout. Alors, on est passé à travers, bien évidemment, plusieurs fois. Ok. On n'a pas d'inventaire dans ce niveau. Tiens à préciser. On était déjà passé par là tout à l'heure, je crois. Même je me demandais si la lave retire des dégâts. C'est pas ce qui m'importait. Du coup, on va revenir en arrière. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres d'autres accès, on va dire, par lesquels on pourrait récupérer ces coins, ces fungi coins. Ah, j'en vois un autre. Donc ça porte ses fruits. Il n'en reste plus qu'un à trouver. Et je pense que ça va être le plus dur à trouver. Alors oui. Même si j'en ai pas raté un à l'étage. Alors c'est là où on était. Il y a un point d'accès, on dirait. On dirait. Et là, après. Petit passage secret. On va aller voir par ici. Où cela mène donc-t-il? T-il donc? Ah, il y a un petit labyrinthe. Alors, intéressant. Pour le moment, je ne vois pas de coin supplémentaire, mais je pense qu'il doit y en avoir quand même. Ah ouais. En fait, le truc, c'est que c'est au niveau de la caméra, voilà. C'est assez gênant, parce que des fois, tu peux voir et d'autres fois, tu ne verras pas. Donc, je suppose quand même que j'aurais peut-être dû grimper au milieu. Pareil, hein, l'accès aux lianes, assez compliqué, difficile de l'avoir du premier coup. Attends, je suis sûr, voilà. Ok. Allez. Elle attend quoi pour sauter? Je sais pas pourquoi il voulait pas du tout. Oh, ça casse les couilles. Allez, allez, grimpe. Hop. Voilà, là je crois que c'est bon. Ah. Non. Ah, on peut pas en plus à...
sert à rien de vouloir monter là. Je pense qu'on aurait pu attaquer. Ah, je pense que c'était l'entrée. L'entrée de ce labyrinthe frontal. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Si j'arrive à atteindre, en fait, bon, faut que je redescende, je pense. Hop. Ça va me prendre là du temps. Voilà. C'est pas évident. Hop, on va redescendre. Hop. Et je pense que je devrais passer par là. Allez. Voilà. Pareil. Ce côté-là. Non. J'y ai cru. Hein. Alors, déjà. Voilà. Là, pareil. À travers une porte. No touch these coins. Ah, dommage, j'y ai cru. Ah, de coins, la golden lightning. Je suis venu ici trop tôt. Alors on va utiliser le fameux respawn slash respawn pour réapparaître au début. Et ça fait maintenant, je pense, une bonne vingtaine de minutes, que même une bonne trentaine de minutes, que je suis derrière la recherche de ces gold, de ces funky coins. Pardon, j'ai trop envie de dire gold coins, mais c'est le niveau d'il y a 2 jours qui m'a matrixé. Alors, je pense quand même que ce coin doit se trouver dans une grotte. Enfin, dans une des montagnes. Bien évidemment. Je suis pas sûr de la trouver du premier coup. Wow. Fungi, ok. Donc apparemment, ces trucs-là, on peut passer à travers. Ça, on l'avait déjà inspecté. Il doit y avoir quelques accès là aussi. Ah, j'en vois un. On donne accès à ce labyrinthe. De toute manière. Voilà, on va jouer notre grotte. Ça mène nulle part. Et en dessous, pareil. Bon, pareil. Tout pareil. Bon, on connaît un endroit pour y accéder plus rapidement. On connaît un passage dans la montagne maintenant. Pas besoin de se prendre la tête à faire tout ce qu'on a fait depuis une demi-heure. Sauf si t'es pas le même, hein, peut-être. Que seuls ceux qui regardent pour le savoir. Ah, je crois que je vois un passage là aussi. Bon, ça va nulle part.
comme dans GTA, il y a plein de passages comme ça, dans plein de montagnes qui mènent sur rien du tout. C'est juste un passage fleuri. Là, c'est sûr, je peux passer à travers. Ok, ça mène à rien. Là, on était déjà là. Donc, on sait que de ce côté-ci, on va rien trouver. Donc, on va aller inspecter de l'autre côté. De faire un veille comme ça, mais là je ne vois absolument aucune trace de ce coin et je n'ai aucune idée de où il pourrait être, sachant que je pense avoir déjà trouvé tout ce qui était dans mon coin et que selon mon hypothèse, il doit être dans une strate cachée entre le rez-de-chaussée et le last level. Genre un truc à peu près à ce niveau-là. Voire encore plus en dessous. Bon, on va passer à la suite. Je pense pas que je vais trouver le Fungi Coin. Parce que sinon, ça risque de durer un peu trop longtemps. Donc, on va aller. Ok. Ah, il y en a 10 quand même. Hein. J'en ai déjà 4. Si galère autant à monter. Déjà, il n'y a pas la fatigue. Sinon, ça aurait été encore plus chiant. De la chance, j'ai réussi à sauter jusqu'au bout. Allez. Et tout en bas, zut, c'est pas grave, on va la faire autrement. Wow, je commence à laguer fort là. Peut-être que le niveau il va planter. Là. Il se passe un instant, il y a moyen que ça le fasse. Ah zut.
c'est par ici. C'est l'escalier que j'ai descendu à toute patate tout à l'heure. Étage, donc faut pas que je me trompe, c'est en sortant, parce que ça c'est un coup à ce que je retombe. Alors il en reste deux, est-ce que je vais les voir? Ah ouais, je pense que ça devrait être bon. C'est pas faire la même arme que tout à l'heure. Hop. Et le dernier, je vous avoue, ne pas trop savoir où il est. Peut-être tout en bas. En tout cas, je le vois pas d'ici. Ah. Voilà. Ensuite. Je crois qu'il y avait une autre mission quelque part ici. Alors, voilà. Ah bah tiens, on le cherchait tout à l'heure. Finalement, on l'a trouvé. Au bout de 40 minutes, hein. Donc, there's something wrong with the energy locator. Find Andy in the cave. And see if you can help. Ok. Donc la cave, je crois que pour y aller, je sais même plus comment on fait pour s'envoyer dans la cave. Ah, si je me souviens. C'est de quel côté déjà? Je crois que c'est par là. Hop, hop. Ben non, je crois pas que c'est par là. Je crois que j'étais dans Mario. Bon, ça on verra après. Je crois que je peux passer par là, si je me trompe pas. Bah, par contre, je pense qu'on peut passer par là pour revenir en arrière. Tiens, c'est là où il y avait les rails. Ouais, je crois que c'est là. Je crois que à partir de là, par contre, on peut y aller. Ok, je suis revenu ici. C'est pas le bon tunnel. Ok, bon, on va faire un truc. Encoder le chemin, on va passer par le chemin régulier. Hop. Enfin, le seul chemin qu'on connaît, quoi. Le chemin régulier. Alors, on va faire des conventions. Alors, je crois que c'était dans cette cave-là. Donc, je peux passer par là. Je crois qu'on avait vu. Ensuite. Ici, ici, là, là, et là, on arrive ici. Et là, faut que je trouve le fameux Andy. C'est pas lui, c'est sûr. In the cave. Fait, le truc qui m'inquiète, c'est que. Il y a un deuxième étage, mais on n'a pas l'air de pouvoir y monter. Wow. Tout cas pas comme ça. Il y a un deuxième étage est 100% factice. Alors, on est dans la cave. Dans la cave. Caves. On va essayer de trouver le fameux Andy.
Espérant que la mission n'est pas buggée, bien évidemment. Ah, il y a une petite porte là. Ok. Je pense qu'il y a un truc à récupérer. Wow. Nina. Wait for Nina, talking one find this. Ok. Voilà. Je pense qu'il faudra revenir ici à une autre occasion. Non plus. On est à peu près là. Ok. Pas vu grand monde dans la caverne. Pas vu de Andy. En tout cas, ah, c'est lui Andy. D'accord. Ok. Fine, Nina. Nice. Bon, au moins Nina, on sait où est-ce qu'elle est. C'est pas le problème. Trop loin déjà. Ok, c'est pas là, c'est pas ici, c'est pas là, c'est pas là non plus. Ah, ici. C'est pas là non plus. Nina has the energy locator around her collar. Find her to get the passport. Wow. Je sais même pas c'est quoi le collar. Attendez, je vais faire une petite recherche internet pour savoir ce que c'est qu'un collar. Alors, collar traduction. Ça va être plus simple si je sais ce que ça veut dire. Comme d'hab. Ça doit être la colline ou une connerie comme ça. Le col. Bon, Nina, le col. Ok. Donc je pense que si elle n'est pas là. On respawn. Fungies. Non. Oh, je suis tombé. Il m'a fait un drift. Leur parler alors, j'imagine. Bon, je pense à bugger. Je pense à bugger. Alors, un col. Qu'est-ce qui ressemble à un col ici? Je sais même pas c'est quoi un col. Il doit y avoir
raison pour qu'on appelle quelque chose un call. On va retourner sur Internet. Regardez. Call. Montagne. J'imagine que ça doit être. Ça charge. Un plus beau col de montagne. Un col en topographie, topologie, une forme de relief en selle de cheval. J'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Situé par l'intersection d'une ligne de crête et de deux tollwegs face à face. Un col constitue le point le plus bas entre deux sommets appartenant à la même arête. Ok, d'accord. Ok. Alors là, mon avis, il va falloir. Bon, je voulais monter un peu plus haut pour régler le problème. Et voir est-ce que je pourrais trouver un col. Pour aller trouver cette Nina. Quand même bien pratique un Pokédex. Hein. Alors, maintenant, où est-ce qu'on voit deux montagnes qui pourraient former un col? Ah, mais j'ai une idée. Une sorte de col, non? Là. Hop. Hop, ici, non? Rise. Un truc à l'intérieur. Si j'arrive à passer là-dedans et descendre. Travers là. Non. Ah, c'est lui. Non, pas du tout alors. Merde, je suis en train de retomber, alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Sortir, là c'est bon. Je pense que lui, il a carrément bugué. Fungi Family. Pour moi, le col de la montagne, il est là. Hein. Bon, c'est un peu plus que, c'est un peu plus en dessous qu'un col. Peut-être. Je suis pas éperdu en topologie. Surtout en topologie en forme des blocs. Hein. C'est moins évident en fait de bien comprendre. Surtout que au niveau de la carte, normalement, on a. Attends, attendez, là vous voyez, hein, vous avez des formes de vagues, etc. qui correspondent à la topographie. À la topographie de la map, mais je ne sais pas en fait si c'est vraiment significatif de la vraie topographie. Ou si ça ne l'est pas du tout, puisque regardez, je regarde par là, normalement je suis censé avoir.
soit un bassin, soit un fil de montagne en face de moi, alors que c'est pas du tout ça. Donc, je suis pas sûr, hein. Je pense que là ça sert surtout pour la boussole, pour savoir où est-ce que le nord se trouve. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment très très significatif. Et je pense que dans les versions bêta, par contre, la map sera peut-être, enfin la petite boussole sera peut-être plus précise, hein, peut-être plus utile même. Parce que là, pour le moment, moi, selon moi, c'est de la déco, hein, c'est juste une boussole qui indique le nord, enfin la direction. Ça indique rien de sur la vraie topographie. Voilà, ça a l'air de correspondre. Ça veut dire que derrière aussi, je pourrais rester. Ouais, non, rien à voir. Rien à voir. Normalement, je devrais avoir un début de colline là et un autre bout de colline là, mais en fait, pour moi, c'est juste un seul morceau. Donc, vraiment significatif. Alors. Comment repérer un col de montagne ici, sachant que on peut rien voir globalement. Oh, putain. Et puis je saute, et plus je saute, plus je tombe, en fait. Non. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ah. Je me suis pris pour Denis Brognard. Alors, j'étais déjà là tout à l'heure. Ah, j'ai une idée. Bon. C'était pas ça mon idée, mais on va tenter un truc. Alors, je crois qu'on peut passer à travers la montagne. Où elle est, cette pauvre Nina? Ah, voilà. Je pense que là, peut-être, on est dans un col. Enfin, on est dans une vallée. Vu qu'il y a de l'eau, hein, de l'eau, un fleuve, un cours d'eau entre deux montagnes. Je pense que ça, c'est une vallée. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Vous dire la vérité. Où cela mène-t-il? Bon, on fait un peu des découvertes, hein. Je m'attendais pas à ce que le niveau soit si long. Ou si c'est moi qui suis vraiment nul. Ah ouais, là. Wesh, j'arrive pas à monter là. Gros crâne chauve de mon perso. Hop. Merde. Hop. Rebelote. Voilà. Ok, bon, c'était inutile comme expérience. C'est dommage, hein, ils auraient pu rendre le truc un peu plus pimenté. Mais en fait, ça donne sur rien du tout. Ce que je vois, c'est que là, ça mène nulle part. J'ai pas de colle dans le col de montagne. Alors,
16h22. Ouais, vas-y, respawn. And go with me. Propose. Ouais. Je vais dire, je vais demander, where is Nina? Un petit avatar de cochon. Il y en a, ils parlent des langues, mon frère. On le suit. Il fait le guide. Ouais, ah, je suis ressorti, c'est pour ça. Light Nina. Alors, outil. Capital BNG with zero for it's booty. Boopity, goopity. Piti, goopity. Ok. Regardez ça. Attends, je vais lui dire merci quand même. Thanks. Ah putain, ça casse les couilles ça. Alors, à 20 mètres, il y a un autre truc. Alors, comment je fais pour grimper là? Ok. Je passe derrière la télé. C'est pas là non plus. C'est une vraie galère la caméra. Plus facile d'être perdu que de trouver. Ok, c'est pas ça. Ça. Il y a pas une autre entrée tunnelique que l'on ne voit pas. Bon. Merde. Hop. On va la faire l'ancienne.
que là ça commence à être long. Et il reste encore un game by game à faire après, même si c'est jamais les plus longs. Enfin, jamais, je vais pas m'aventurer trop vite, puisque c'est là où je vais dire jamais, et là il y a 3 heures de jeu derrière, ça va être une vraie galère. Oh, il y a un petit accès par là qui va absolument nulle part. Surtout s'il y avait un vrai truc à chercher, genre un petit chemin ou un truc comme ça, là ce serait impossible. Genre on pourrait se perdre tellement on y voit R. Bah tiens, à la sortie. Allez, allez, hop. Allez, derrière, hop, ici, là, 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 ici. Et tiens, poupiti, poupiti. Ah ouais, avec des zéros. Ok, retourne tout. Toshi, Toski. Retourne tout, Toshi. 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 Je sais même pas c'est où. Je sais même pas, il est où, Toshi. On va aller voir en bas. C'est pas là. Tant pis. Hop, hop, hop. C'est qui lui? Ok, pas du tout. Sans toucher. Let's toucher now the energy locator is up and running. J'y pense dans la grotte, il y avait plein d'autres trucs. Alors, toucher, on va voir. No problem. Ok, yokai. Je pense que là on a fait toutes les missions. Avec de la chance. Je sais même plus. On va retourner là. Alors. Il était où le niveau? Il est là. Fungi Kingdom, on va aller voir du côté du leaderboard. Je suis pas sûr d'avoir fait toutes les missions, même si on avait que 7. Hein. THEF. Non, elles ont toutes été faites. Hein. Fainina. Ouais, quand même. Hein. J'ai mis pas mal de temps. Et le pire, c'était pour Help Andy and Touché. Et là, wow. 40 minutes pour collecte de Fungi Koi. Là, mon chrono il a pris un sacré bout de temps. Donc, on va passer à la phase finale de la vidéo. Bien évidemment. Donc, comme on allait valider déjà toutes les missions, on est tranquille. On attend un peu. Vu que apparemment hein, le réseau est ralenti, mais je pense que ça va avec les économies énergétiques qui ont été mises en place par le gouvernement. D'ailleurs, ils pensaient couper aussi Internet à certaines heures. Plusieurs idées ont été mises hein, pour économiser l'énergie comme ils le peuvent. Bon, c'est un peu long là.
Wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai même plus une seule image. Eh ben, je vais pas me dire. Alors là, ça met du temps à charger. Oh, c'est long. C'est rare que ça soit aussi long comme ça. Attends, je suis connecté en Ethernet, hein, je suis juste à côté de la box. Normalement, je suis censé avoir la fibre. Censé, j'ai bien dit. Voilà. Alors, on a un Retro Game Jam. Apparage. Apparage. Et avec un peu de chance, on aura l'occasion de tester le niveau qui ne fonctionnait pas hier. Même si ça commence à faire un peu long, hein, pour ce live-ci. Et que j'aimerais bien faire une sieste, sachant que je dois partir dans 1 heure. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Chercher mon téléphone. Alors. Where is where I am? Apparemment, je vole. Destroy everything and get to surface. Wow. On dirait même qu'il bug. Alors, je pense que là, il y a un problème déjà d'entrée. Donc on va restart. Parce que là c'est étrange, déjà rien que d'entrée. Voilà, c'est reparti. Apparemment, c'est tout à fait normal. Ah. Fionger. Ok. Et Preach. Ah, il y a une échelle. Table building. Ah, c'est un peu King Kong quoi. Je suis pas obligé de tout détruire apparemment. Alors, do you know eating human citizen and really can be really ici? Alors, je mange des citoyens. Enfin, plus les écraser que les manger. Oh, ça lag de fou. Par contre, ce niveau. Je vous cache pas, rien que le fait d'attaquer, ça fait laguer le. Je pense que c'est possible qu'il plante hein, le niveau, hein, je vous cache pas. Parce qu'il a l'air d'être assez. Voilà, unstable. Bad house, destroy. Ok. Destroy 3 appartements de building. À mon avis, il faut que je les détruise à 100%. J'imagine, je dois pas.
peut-être manger des humains aussi. Parce que j'ai plus beaucoup de vie. Wow. Wow. Ça a bugué de fou, malade. Alors on va essayer de regagner assez de vie. Parce que là, j'en ai vraiment plus beaucoup. Ouais. Faut en manger plein, hein. Que là je vais mourir et du coup là office building, alors des bureaux, je suis mort, alors on recommence. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des bureaux. Ça m'a l'air d'être un bureau. Ok. Ceci, ça m'a l'air d'être un bureau. Alors, pour que ça aille plus vite, en fait, faut pas que j'appuie plusieurs fois. J'appuie une fois par une fois. Voilà. Ok. Ape rage. You still on rage from top ape empire. Ah ouais. Alors, art of attack. Like. Ok. Ah, je me suis noyé. Merde. J'ai capté. The like earth is going to burst you. You don't shut out your rage top of the eyes. Ok. Bon. Wow. En fait, dès que je touche le fond de l'océan, alors hop, ça a l'air d'être un sacré parcours d'obstacles. Hein. Merde. Oh là là. Wow, 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 wow. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Alors, doucement, hop. Hop. En fait, faut pas monter trop haut. Voilà. Ah, faut pas se rater, hein. Faut pas se rater du tout. Oh là là. Oh là là. J'ai appuyé juste un tout petit peu sur le bouton. Bon, moi qui pensais que ça allait être rapide. C'est pas rapide du tout. Voilà. Faut attendre. Oh putain. Voilà. Voilà. Oh non. Non. Allez. Quand tu veux. Voilà. Oh putain, ça c'est casse-cou. Ha 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 ha.
Ah non, dur. Oh là là. Faut vraiment pas se rater sur ce coup-là. Je me suis raté de en toute beauté. J'ai réussi à passer, miracle. Ça m'aura rendu ouf qu'on recommence depuis tout le début là. Ah merde. Désolé. Ok, c'était pas encore ça. On y est. Oh non, on n'y est pas du tout. Oh merde, 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 merde. Juste au dernier. Au dernier, j'ai foiré. Alors, bon là, j'étais pas du tout dessus. Le truc, c'est que je dois appuyer sur le bouton droite pour aller vers la droite. Après, quand il est en position de grimpage, je dois appuyer vers le haut pour qu'il grimpe. Sinon, il me fait une phase chelou. En fait, au niveau des touches, si vous avez l'occasion de tester le niveau, vous allez voir, c'est... Oh putain, c'est une petite galère un peu au niveau de la représentation. Bon, vaut mieux sauter seulement. Ah non. Oh. Hop. Hop. Ah. Oh. Oh. Ça va pas être simple, hein, je vous le dis. Oh, dur. Je me suis fait pousser par le missile. Alors, hop. 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 Là, j'ai pas sauté assez. Alors là, il faudrait que... Ah, c'est galère. Quand je finis de monter, voilà, il faut que j'arrête d'appuyer. Oh, en plus, on voit rien du tout de là où on saute. Alors, hop, 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 et zut. Si vous avez l'occasion de tester le niveau, vous verrez que c'est une vraie galère au niveau des commandes. Mais au niveau du champ de vision aussi, c'est pas... Un idéal. Alors, hop. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de se retrouver au bon endroit. Oh, j'y étais presque. J'y étais presque, quasiment. Hop. Oh non. Non.
Non. Oh, oh, peut-être une chance. Oh non. Peut-être une chance d'avoir un petit bug et de se retrouver là-bas sans avoir à faire. Parce que l'Empire, il est juste là, là. Mais en fait, c'est juste un remake de King Kong, hein. C'est raté. Encore raté. Ouais, c'est une vraie galère. Ah, dur. Distance. Non, j'ai sauté trop loin encore. Ah, désolé. Ah, dur. Allez. Là. Allez, la grimpe, saute en avant. Ici, là, je pense que c'est bon. C'est pas bon du tout. Ah, dur. Voilà, je crois que là c'est bon. Hop, je saute de trop. Voilà. Oh putain de merde. Je vais y arriver. Ça fait juste 20 minutes que j'essaye. Voilà. Je commence à maîtriser. Les touches. Hop, hop. Oh là là! J'y suis presque. Hop. Allez, faut, il va pas sauter, hein. Ah, dur. Dur, dur, dur. Oh non, le petit glissé. Petit glissé dégueulasse. Toc. Non, non, on n'est pas bon du tout. Pourtant, j'ai pris la même position, je crois. Hop, hop, hop. Ah putain, il n'a pas voulu en sauter. Ok. Ok. Là, on est bon. Ah bâtard. Ah, dur. Voilà. Hop. On rebord. Ici, là, ça devrait le faire.
Oh non! Non! J'étais presque. Timing tout. Hop. 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 Allez! Putain. Voilà. Hop, hop. Ah non! De quoi faire craquer. De quoi faire craquer. Ok, on recommence. Mais non, pourquoi il a pas voulu sauter? Putain. En fait, il est soumis à la physique de d'habitude, plus une nouvelle physique. Du coup, c'est pas hyper hyper complémentaire. Heureusement qu'on n'a pas cette physique-là dans la réalité, quoi. Putain, j'ai sauté trop vite. Allez, j'arrive même plus à passer les premiers tellement. Ça me stresse. Alors, on va s'appliquer. Hop, 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 hop. Bien ici, là. Ok. 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 Non! Non, pas au dernier! Pas au dernier! Ah putain. Alors, ici. Hop. On attend. On y va. On n'a pas le temps. Allez hop. On y va. Celui-ci. Celui-là. Voilà. On monte. Voilà. On essaie de bien aller. Au bout. Voilà. Non, 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 non. Alors là, le glisser là, fatal. C'est marrant ça que genre ils aient mis l'option genre quand t'arrives en bout de course, quand t'essayes de monter, et ben le personnage au lieu de monter clairement ou d'être sur la position, et ben il va choisir de glisser comme si oh putain. Oh, il a pas voulu ressauter. Il a pas voulu. Il était dessus pourtant. Putain, ça c'est chiant. Le fait qu'ils soient en quinconce. On pourrait croire qu'on est dessus, mais on n'est pas forcément dessus. Mais non, il a glissé, il a glissé. Les glissés, ça marche même sur le côté. Ok. Ouais, voilà, ça a glissé. Elle est à côté. Mais non! Putain.
Ouais, j'ai failli tomber là encore. Bah, c'est mort. Voilà, on va essayer de s'appliquer sur ce passage-là. Putain, ça c'est chiant. Oh non, j'ai appuyé sur le bas. Putain, ah c'est traître. Oh putain, j'ai sauté trop vite là. Je pensais que je sentais mon timing, mais j'ai sauté vraiment trop vite. Allez hop. Oh là là, là. J'ai glissé encore. Alors là. Hop. Hop. Ah zut. Voilà. Là, on devrait être bon. Oh. Oh. Donc c'est vraiment, je dois aller en bout de course. Je suis sûr que j'étais au bout du bout. Oh là là. Bon, je pense que je vais abandonner. Parce qu'il reste 20 secondes. Et ça commence à me saouler ce niveau. Parce que c'est pas forcément ultra jouable. Et on prend pas forcément du plaisir à jouer à ce remake de. Comment s'appelle ce remake de King Kong. Hein, donc on va passer au niveau suivant. J'aurais pas dû exit comme ça. Putain. Je sais même pas où est-ce qu'il se trouve. C'est le pire. Ah, il est là. Il va falloir que je termine un jour si je veux avoir toutes les pastilles. Donc on va essayer celui-ci. Et après celui-ci, ça va être notre dernière expérience. Hein. Ça fait quand même 2 heures qu'on y est. De toute façon, c'est la dernière expérience. Et si jamais l'expérience ne fonctionne toujours pas, ouais, ce sera la fin de l'épisode. Hein. Ce sera la fin de l'épisode. Donc il y a de grandes chances hein, qu'elle fonctionne toujours pas. Parce que je sais pas comment ils auraient pu corriger l'instabilité. Sans mettre à jour. Sauf si l'erreur vient de leur réseau à eux. D'accord, quand je vois le temps de chargement, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, je n'ai pas regardé sur internet s'il y avait d'autres joueurs qui avaient réussi à accéder au niveau. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Hack and slash your way to lake rescue and love creation demon. Bon, à mon avis, ça a bugué. Ça va faire pareil. Le chargement du niveau, c'est long. Ah, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Bon, je fais exit game. Donc, impossible d'accéder à ce niveau-là pour le moment. Toujours le même problème. Il y a des gens, ils ont réussi à le noter, apparemment, hein, 3-9. Donc, ça veut dire que potentiellement, quiconque, il a été noté 1-8. Côté de celui-ci, 3-5. 2-6. Mais s'il a été noté, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà pu accéder, mais je sais pas pourquoi moi je vais accéder. Donc peut-être que ça sera corrigé hein, par la suite. De toute façon, il reste 9 jours. Si ben, je peux pas accéder toujours dans les 2 ou 3 prochains jours, ben, je ferai une réclamation auprès de ce sandbox directement.
en espérant qu'ils me répondent assez vite pour que je puisse compléter mon calendrier du Season Pass et espérer avoir le maximum de récompenses et de cash prize hein, pour ce Season Pass. Hein. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, je vacille entre les 60 et les 750 $ pour la récompense de leaderboard. Ensuite, en faisant la complémentation de mes timers qui ont été rédhibités. Donc, si je les corrige, je pense que je peux peut-être même passer dans le top 200 et aller jusqu'à 1 500 $ de récompense pour le leaderboarding. Ensuite, je pense que on aura au moins 100 $ de récompense hein, pour le leveling, plus les 30 $ pour le NFT collection, si jamais il n'est pas question de passer sur la collection du listing. Ensuite, pour certains niveaux qui ont été annoncés, hein, d'ailleurs, il y a des niveaux qui ont donné déjà des récompenses. Hein. Je me souviens plus c'est lesquels, il y en a deux. Hein, ils ont donné des NFT qu'il fallait retirer sur une plateforme alternative. Et on a aussi un mémorabilia on a eu deux mémorabilia pour deux niveaux hein, qui ont fait partie de niveau event hein, qui était à récupérer. Et notamment, il y en a Alpha Pass à gagner jusqu'au 22 octobre. Mort info, on va regarder, hein. Je ne le savais pas. T'as open mic, Mayhem. Ah, voilà. Fallait se connecter en plus sur Twitter. Take yourself on stage. Post on Twitter. Ok. Follow NFT on Twitter. Ok. Bon. Ça permet de tout compléter jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je sais pas jusqu'à quelle heure. Je pense qu'on a peut-être jusqu'à minuit. Moi, j'aurai pas le temps de le faire, mais sur ce, il y avait la possibilité de gagner un Season Pass hein, pour le prochain Alpha Pass. Hein, quand même, les Season Pass, je vous rappelle, qui valent quand même entre 500 et 2 000 $ pour des 500 $ de récompense minimum et des NFT aussi parfois qui sont uniques. En fait, à l'Alpha Pass, hein, lors de la première Season Pass, lors du premier Season Pass, je tiens à vous dire que il y avait bel et bien, quelques NFT qui rapportaient quand même, enfin qui étaient assez uniques hein, quand vous avez acheté le Season Pass, hein, et qui valent quand même un sacré bon paquet d'argent, hein, qu'il valait encore plus à l'époque. Mais même si tu vois ça a perdu de la valeur, mais qui sont quand même des NFT qui vous donneront un avantage quand on passera à la phase bêta du jeu, puisque on est toujours sur la phase alpha quand la phase bêta sera lancée, bien évidemment tous ceux qui auront ce genre de NFT et eh ben se feront un plaisir de prendre une avance hein, sur les leaderboarding des phases bêta, parce qu'on va pas rester en phase alpha éternellement. Je pense que peut-être l'année prochaine, eh ben, il y aura la première phase bêta de The Sandbox. Et on pourra aussi naviguer à travers le Map World. Le Map World qui est ici. Hein, ce n'est pas le Play World. Hein, il y aura aussi le Map World qui est un peu plus grand. Et je pense que ça sera un peu plus immersif pour tous ceux qui auront l'Oculus. Je veux pas faire de pub, hein. Sinon,
Je pense avoir fait le tour des objectifs et des caractéristiques en fait au niveau des récompenses. Hein. C'est pas souvent hein, que je fais un feedback en fait sur cette histoire en fait de récompenses. Il y a quand même, je pense, au moins 500 $ minimum hein, de récompenses à se faire. Hein. Pour les 100 $, au moins les. Ça a bugué. Voilà, au moins les 750 là, puisque ça c'est faisable, hein, le rang bleu, les 750 $, plus les 100 $ de base. Donc je pense qu'il y a au moins. 500 $ à se faire, je dis 500 $ parce qu'il y aura les 100 $ de base plus les 100 $ supplémentaires, je pense, pour les niveaux qui offrent une récompense, hein, comme le niveau sur Paris Hilton Halloween hein, qui vient de sortir hein, pour les 10 000 premiers qui ont rejoué au niveau. Eh ben, ils recevront une récompense en fin de season pass hein, d'à peu près 80 $, je crois, hein, quand même. Hein. Et pareil pour les deux niveaux qui ont offert des NFT supplémentaires. C'était deux niveaux. Hein, et il fallait faire partie des 10 000 premiers joueurs qui ont joué ces niveaux. Et je pense que ce n'étaient pas les seuls niveaux concernés. Et par rapport aussi à ce que vous allez posséder, genre au niveau des raffle tickets et du leveling et des niveaux que vous allez compléter, vous allez avoir aussi des récompenses supplémentaires. Je pense que moi j'abuse peut-être un peu en fait en disant 500 $, je dirais peut-être plus du 300, 350 $. C'est ce que on remportait minimum au précédent Alpha Season Pass. Mais la valeur du sand était beaucoup plus élevée. Hein, ça représentait plus du 500 600 $, mais genre en vrai c'était c'est 300 voire plus 200 $ actuels. Donc comme vous voyez, n'oubliez pas les special events, daily challenge pour les raffle tickets. On a jusqu'au premier. On n'a pas encore le. On n'a pas encore le. Oh, je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai un trou de mémoire. On n'a pas encore. On n'a pas la possibilité d'accéder aux anciens challenges et on n'a pas encore. Le rapport de tous les récompenses qu'on aurait pu obtenir. Je sais pas si on peut passer par là, faire inventory et via l'inventory voir si on a aussi ce qu'il y a. Non, on peut pas voir les mémorabilia qu'on a possède. Bref, du coup j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous notifier et je pense que voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, on reprendra la suite demain pour le nouvel épisode. Hein, comme je vous ai promis, je vais retoucher toutes les missions qui ont été rédhibitoires et on reviendra avec cette correction on corrigera sûrement ensemble avant de passer à la phase d'avancer hein, de la journée, la phase habituelle. Donc avant de terminer la vidéo, hein, je vais refaire mes quatre requêtes habituelles. Hein, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube comme sur la chaîne Twitch. Vous avez les liens en description sur chaque page pour retrouver l'autre. Et vous avez aussi mon lien de référence dans la description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui veulent commencer à jouer, rattraper
ou peut-être essayer de gratter une petite récompense avant à la fin du Season Pass 3, hein, malgré le fait que ça se termine dans 9 jours. Mais si vous jouez, hein, en quelques jours, hein, vous avez la possibilité quand même de gratter une petite récompense, hein. C'est pas si compliqué que ça. Je pense que si en plus vous lancez un peu sérieusement, vous pouvez gratter quand même un petit 750 $, hein, au moins, ou minimum 60 $ ou 100 $. Hein, toutes les récompenses sont ensemble, bien évidemment, à la crypto du jeu. Mais je pense que même les nouveaux, hein, peuvent gratter un petit peu en ayant joué peu. Et pour la suite, n'oubliez pas de vous abonner, non, de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Excusez-moi. Et ça contribuera beaucoup à la croissance de la chaîne, hein. D'ailleurs, elle est en forte expansion en ce moment, surtout sur Twitch. D'ailleurs, bah, j'aimerais remercier les derniers à avoir fait des raids sur ma chaîne, hein, grâce à la récurrence, hein, des épisodes sur Sandbox en ce moment. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour dans l'espace commentaire pour tous ceux qui consultent mes vidéos sur YouTube, hein, que ce soit pour ajouter ou consulter les commentaires précédents. Bon, c'était Mikey dans le 59e épisode de The Sandbox Alpha Season Pass numéro 3. On se retrouve demain pour le 60e épisode. Je vous dis à ciao, bye bye, allez, outro. J'tabasse le beat tel pack à souris. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va rincer ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. Un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sans la tech, je suis l'ermite pas net. Tu gagnes ma tête pour du beat.